Description cap. Dans la série, je danse ma vie. Stress. Le stress, c'est quoi? C'est le trac. Qu'est-ce qui va faire que t'es super à l'aise devant tout le monde? Mais quand vient le temps d'être devant, je sais pas moi, la télé, que tu t'en vas enregistrer quelque chose? T'es stressé. Le stress, c'est quoi? Le stress, c'est... Je sais pas, là, un genre de nerf nerveux là, qui fait que quand t'es dans quelque chose, t'es super bien à l'aise, puis à un moment donné, ton corps il dit « Oh non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai déclenché quelque chose que j'aurais pas dû faire. » Le stress. Quand tu déclenches un stress, t'es en train un petit peu de te bousiller. Ce que tu vas faire. Il y a du bon stress et du mauvais stress. Le bon stress, c'est l'adrénaline. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est quand tu rentres sur scène, t'es peut-être un petit peu stressé, mais avec le beat. C'était dur. Puis là, à un moment donné, t'es genre rendu à ton troisième pas. Commence à rentrer dans le beat, mais vraiment, ok? Il y a genre une espèce d'affaire qui déclenche dans ton corps. J'ai aucune idée c'est quoi. Qu'est-ce que l'adrénaline? Substance joue un rôle d'hormone et de neurotransmetteur sécrété par les nerfs végétifs sympathiques et surtout de la glande médulo-surrénale. Oh! L'adrénaline accélère les rythmes cardiaques, augmente la pression artérielle, dilate les bronches et les pupilles, élève la glycémie. Oh, j'ai tout compris! Ah! C'est pour ça que l'adrénaline aide à performer. Le mauvais stress, c'est que quand tu penses à une erreur, là, tu te mets à focusser sur cette erreur-là, t'as trop peur de faire ça. Donc là, tu te mets à figer de danser comme un robot. Il y en a même qui, à cause du stress, qui ont peur de rentrer sur la scène. Puis il y en a même que quand ils dansent, ça les foule bien. Puis là, un moment donné, ils pensent à quelque chose, ils ont oublié de faire quelque chose, puis ils figent. Ils sortent de la salle. Moi, je trouve que c'est très bon avoir du bon stress. Parce que moi, je reste positive tout le temps. Zen. Le yoga. Je veux faire du yoga aussi. Vraiment poche. Moi, je reste toujours zen. Ça l'est toujours dans les moments de stress. En fait, j'ai déjà vécu du mauvais stress. Une fois. Deux. Ça allait super bien. Puis là, à un moment donné, ben, je faisais pour ma poussée en main. Puis c'était mon bout, là, mon bout préféré. Puis là, il devait me lever. Il était dos, là, il était dos. Puis je devais sauter sur la personne pour qu'elle me lève. J'ai pas sauté sur la bonne personne. Moi, j'ai une Je me suis mis à stresser. Ce que j'avais pas dû faire. Alors, les larmes sont sorties. Ce qui peut arriver à tout le monde. Si je me suis mis à pleurer puis à rater les choses, c'est que quand je suis sautée sur la mauvaise personne, j'ai pensé après à que le monde allait rire de moi, puis que ça me tentait pas beaucoup. C'est pour ça que quand tu stresses, tu te dis non, 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 baby. Non, 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 baby. Je ne stresse pas. Je ne stresse pas. Je reste calme. Pour boucler l'émission, je voudrais vous dire que
pour avoir un bon équilibre dans sa danse, pour pas avoir du stress, ça vous prend de l'adrénaline pour performer. Si la vidéo vous a plu, cliquez j'aime, abonnez-vous, écrivez-moi un message, dites-moi c'est quoi votre passion. À la prochaine! Peace guys! Le stress, c'est quoi? Ah non, c'est pas ça.